Donc finalement, il va falloir aller dans la caverne. Rien à faire dans les ruines. T'as un message qui t'indique la salle vers laquelle tu dois te diriger, mais ça apparaît aléatoirement au bout de X minutes. Pour de vrai? Fait que si, mettons, t'es en train de chercher pendant un bon moment de temps, à un moment donné, le jeu va faire genre, t'es tellement bad, tu sais pas où aller, on va t'aider, on va te montrer où faut que t'en ailles. Ça, on n'a pas le truc, c'est ça. Oui, la boule araignée est indispensable. Le problème, c'est que je suis pas encore Spider-Man. J'ai besoin de Spider-Man. Give me Spider-Man, please. Ok, fait que ça veut dire que si je suis vraiment mal pris, je peux me retrouver quand même facilement dans le jeu. Parfait. Je m'en fous des ennemis, juste passer à côté. Écoute, ça sauve du temps. Vu de même. T'sais, en même temps, tu sais, c'est bien quand même qu'il t'explique qu'à un moment donné dans le jeu, peut-être te faire économiser du temps. C'est comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Donc là, je dois me rendre jusqu'à ici, à la grande place pour revenir. Parfait. Je vais juste tomber ici. Revenir sur mes pas. Oups. Parce que tu sais, quand t'es pris, mettons, dans Metroid, je peux comprendre qu'à un moment donné, ça peut devenir frustrant. Tu sais, que tu sais vraiment pas où aller. Puis que tu tournes en rond, à un moment donné, c'est juste normal. Genre, tu sais, quand même avoir le jeu qui te fait comme, bon, ok, on va t'aider un peu. Tu sembles rusher un peu à essayer de trouver où tu dois aller maintenant. Parce que tu sais, si tu cherches à l'infini, à un moment donné, ça peut devenir très très frustrant. Je l'ai déjà appris dans certains jeux, à un moment donné, que ça devient frustrant. D'essayer de chercher, genre, certaines choses. Puis je sais pas pour vous, si ça vous est déjà arrivé dans certains jeux, tu sais, de comme rusher comme un con à essayer de chercher quelque chose. Mais ça devient frustrant quand tu cherches, là. C'est par ici que je vais passer. Là, le problème, c'est est-ce que je suis capable de faire un double saut pour monter ici? Non. Faut vraiment que je fasse le tour. Le tour, ça va être par ici, c'est ça? Ouais. Ok. Là, je m'entends. Faut que je descende en bas, merci. Pour info de mon côté, il y a des soldes pour Cuphead. Ouh! Oui, non, j'avais vu, c'est vrai. Il y a juste pas le DLC qui est en solde, mais le jeu de base est en solde, ça c'est vrai. Et les petites esquives que je fais comme si de rien n'était, là. Poup, poup! On s'en fout des ennemis, on passe à côté comme si de rien n'était. On n'a pas envie de vous voir. Finalement, votre idée de me faire passer par les ruines, c'était vraiment une idée de merde. Oh, je suis méchant de dire ça. Comme si c'était votre faute. C'est pas de votre faute. Personne ne le savait, je vous l'ai demandé en plus. Puis le pire, c'est qu'il y a des artefacts quand même à prendre dans les ruines, mais je pense qu'on n'a pas tous les items, fait que c'est un peu difficile à savoir exactement tous les trucs sont où. T'as un streamer qui se frotte au jeu, tu parles du DLC, c'est ça, Yoshar? Oui, quand tu rushes pour trouver quelque chose, puis le jeu te dit où aller, après je me trouve qui se manque vu que c'est évident. Oui, puis ça c'est le pire. Tu sais, quand t'essaies de trouver quelque chose, comme tu le dis, là, tu le dis si bien, t'essaies de chercher quelque chose, puis là tu le trouves pas, puis tout ça, puis à un moment donné tu cherches une solution, puis il te le montre, puis tu fais comme, ah, finalement c'était juste ça. Puis là tu te sens, comme tu dis, vraiment con. Tu fais comme, c'était juste ça. J'ai déjà ragé à chercher un truc que finalement j'avais. C'est le pire! Le pire! Surtout que tu cherches, puis tu te fâches à chercher quelque chose que t'as déjà. Pire chose au monde. Et donc là, ici, il faut vraiment suivre tout le chemin. Ici. C'est ici un emplacement qu'on peut monter. Aha! Oui, tant que tu as tous les items, ça vaut pas vraiment le coup de se mettre à la recherche des artefacts. Parfait. Game. Stop it. Stop it. Merci. Oui! Oui, le DLC, mais il y a juste. J'ai juste checké vite. Fait, je veux pas être spoil, je veux trouver la façon de battre les boss par moment. Non, puis c'est normal. Tu sais, il y a certains jeux qu'on veut vraiment y jouer, qu'on se casse pas la tête, puis on se dit comme, ok, je dois quand même attendre de jouer au jeu, puis je veux pas regarder la personne qui joue. Ça se comprend. Je suis pareil aussi. Il y a certains jeux qui me dérangent pas. Il y a d'autres jeux que je me dis, genre,
Je vais quand même attendre, vaut mieux attendre que j'y joue, tu sais. Tandis que d'autres, je m'en fous un peu complètement, tu sais. C'est pas une nécessité à ma vie, si j'y joue ou si j'y joue pas. Là, je vais aller vers la lave, ça va aller plus rapidement. Ouh! Parkour! Fat Bob qui fait du parkour, on aura tout vu. Mad Bob qui a fait du parkour. Bon, là c'était peut-être pas la meilleure idée que je suis allé par là. Oh, pas super. Ce jeu est un casse-tête quand même, vu la difficulté pour apprendre les patterns des boss. Oui, non, mais c'est ça, je le mets un wannabe Dark Soul. C'est pas exactement pareil. Mais je le mets en espèce de Dark Soul du jeu de shooter plateforme. C'est pas. Bon, une partie, oui, une partie de plateforme aussi. C'était pas encore ici. Je devais faire attention à où je m'en vais. Hop, hop. Non, vraiment, le double saut, ça change une vie. Genre, littéralement, j'ai comme du fun à m'amuser, à me promener dans Metroid. Au début, là, non, non, non. Mais là, oui. Et j'ai l'impression que je suis venu ici, là, genre, littéralement comme 2 secondes. Ouais, c'est drôle. Activité des prédateurs analysée. Quoi? Quoi? Est-ce que c'est ce que tu me parlais du GPS? Et c'est quoi ce que ça dit ça? Ça dit genre, ouais, ton GPS en gros va t'aider, c'est ça? Le fameux GPS. Ok. Bon, on va retourner où qu'on était au début. I guess. Retourner là. Hein. Mais moi, je vais juste quand même aller voir le truc qui est quand même là-bas. Curieux. Et ici, je suis capable de passer. Ça se passe. Ça se passe! Mais c'est pas si pire quand même, ça fait juste de mettre un emplacement genre quelque part, mais c'est pas non plus un méga spoil, tu sais, c'est genre ça t'aide un peu, mais non plus c'est pas, tu sais, comme t'expliquer toute ta vie au grand complet, genre comment t'y rendre, tu sais, c'est pas une flèche qui te guide pendant tout le long, tu sais. Il est vraiment plus haut finalement. Je pensais que genre c'était quand même assez accessible, mais finalement non. C'est-à-dire que la porte est genre... là? Ok, vraiment plus haute que qu'est-ce que je pensais. Au moins ça indique la zone, oui exactement, tu sais, c'est... Ah, attends. J'ai envie d'explorer cette petite zone. Ce pont suspendu et escamotable est opérationnel, mais hors tension. Oh, les trucs qui fonctionnent pas ici, là. Et vous êtes en train de me dire que je peux pas rentrer à l'intérieur puis le faire activer, genre? Ben non. Je t'ai envoyé un avis Twitch, mais merci. J'ai vu aussi que vous pouvez faire ça, d'envoyer un avis Twitch. Que vous pouvez me dire votre avis. C'est complètement anonyme et vous pouvez juste m'envoyer un truc par rapport à un point positif. Fait que si jamais vous voulez le faire, c'est genre c'est un petit emplacement qui est juste en dessous du stream, il y a juste un truc, c'est donner votre avis. Puis ça prend 2 secondes. Tu sais, en même temps, vous pouvez le faire ou sinon, vous pouvez le faire aussi avec le formulaire, bien entendu, que j'ai mis aussi à votre disposition. Si jamais vous voulez faire un truc aussi anonymement, vous pouvez le faire aussi à partir de là, sans aucun problème. Et donc là, il faut juste que je revienne vraiment sur mes pas pour aller au truc de glace. Finalement, on a fait un gros détour. On a fait un giga de gros détour. On a fait toute la map au grand complet pour aller chercher le fait qu'il faut chercher des artefacts qu'on ne devait même pas faire maintenant, puis on va continuer le jeu. C'est bien! J'aime ça. Écoute, on arrive à quelque chose. On arrive qu'on a besoin du GPS pour savoir où qu'on s'en va. Pas le choix, hein. Fait que c'est où la zone que ça l'indiquait exactement? Là-bas.
Mais j'avoue qu'on n'avait pas le double saut, on est allé chercher. Fait que le double saut est vraiment très pratique parce qu'on l'avait pas tantôt. Ça, j'avoue que j'ai pas pris ça en considération. T'es content des réponses à ton flamand? Oui, clairement. Très content dans l'ensemble. Vous me donnez quand même des avis. Je vais pas dire tous différents, mais quand même très intéressants dans tout ça. Et ça me permet juste de me faire un avis général de la chose. Savoir qu'est-ce que vous appréciez le plus sur la chaîne et qu'est-ce que vous appréciez le moins. Donc c'est vraiment cool. J'apprécie vraiment beaucoup. Leave me alone. As-tu battu ton premier boss dans ce jeu à date? Oui, de ce que j'ai compris, on a battu un à un moment donné. Hein. Oh, tu me fais chier ça. Ok, est-ce que je peux juste réussir à tirer au moins une fois? Non mais, please. Non mais, allô, je suis... Non. Est-ce que je peux juste tirer dessus, s'il vous plaît? J'en demande vraiment pas beaucoup. Bon, merci! Après 8 ans, il a réussi à se mettre de dos. J'ai même battu deux boss, si je me souviens bien, jusqu'à maintenant. Oh, t'es vraiment sérieux qu'il y avait un truc qui me faisait tomber. Ah, laissez-moi tranquille, je veux juste monter ici. Parfait. Va me faire avoir une deuxième fois par ces genres de trucs qui me font tomber pour aucune raison. Ils sont genre mal pis sont comme hey, on te pousse. Et eux, ils marchent quand même plus rapidement. C'est un truc à lire ici. Et j'étais sûr et certain. Les longs jeux, de ce que j'ai lu, c'est 14 heures de temps environ. Et faire le 100%, c'est autour de 18 heures. Donc, pas si mal. Et c'est ça l'espèce de lumière. Fait que pas si mal dans l'ensemble, vraiment. Là. Ça pourrait être pire. Bonne 15 à l'heure. Oui, non, c'est ça que je disais pas mal par rapport à la chose. Ça, je suis prêt à dire, faut que je calme, c'est ça. Une statue représentant le buste d'un chaman Shoujo orne une de cette porte. Un symbole est sculpté sur son front. Il est écrit pour que je baisse ma garde, retrouver mon semblable dans cette pièce. Ok, il y a de l'eau qui coulait avant de cette statue. Donc, probablement que je dois péter ceci. Bonjour, vous. Le buste d'un philosophe Shoujo. Cet objet d'art est en excellent état. Ok. Celle-ci. Ok. Celle-ci aussi. Et celle-ci. Plusieurs fissures peuvent être observées sur la surface de cet objet de soufre. Et vous êtes en train de me dire que je dois tirer dessus pour peut-être faire quelque chose, non? Parce que celle-là est comme un peu brisée de ce que je comprends. Son semblant dans cette pièce, c'est lui qui est ici.
Plusieurs fissures peuvent être observées sur la surface de cet objet de souffle. Fait qu'il faut que je le tire d'une certaine façon pour faire exploser quelque chose. Ah ah. Voilà, voili, voilou. Smart move. Smart move! Un génie, ce Mad Bob. Hein? Il y en a là-dedans? Vous avez pas pensé à ça, hein? Mad Bob, c'est un pro. Pro gamer Mad Bob. Il a pensé à toute son affaire depuis le début. Mais comment je fais pour péter ça? Est-ce que c'est possible? Ok, deux coups pour péter. Je vais faire ça tomber deux fois. Parfait. On traverse ici. Ça, il va falloir que je fasse exactement la même chose. Parfait, juste traverser après. Merci. Ok. Oh! Grande salle, item là-bas. Il y a sûrement quelque chose qui va m'arriver sa gueule. Je le sens arriver comme si c'était... Ok, donc juste des petits boss. M'attendais à pire qu'il allait peut-être me faire chier encore plus, mais finalement non. Pas si mal que ça. Ok, finalement, il y en a d'autres. Peut-être que ça va me faire chier à moitié. Et à chaque fois que j'en élimine un, il y en a un autre qui apparaît dessus, je comprends. Reste en arrière de lui. Tire dessus. Il y a le dernier, il est là. Salut. Il arrive tout bonnement, genre tellement tranquillement. Il est juste comme, salut. Oh! Mad Bob commence à comprendre le jeu. Comment ça fonctionne. Pro Mad Bob. GG. Tellement facile. Ok! J'étais peut-être pas prêt à genre le daddy qui arrive. Le daddy qui est genre salut. Non, 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 non. La glace, c'est pas cool. Pas cool du tout. La maman qui arrive, oui, exactement. Attends, c'est vrai, faut utiliser le scan. Non, 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 je voulais voir l'entrée relative. Espèce, le chigote. Chigote. Le chigote est le prédateur suprême des monts de Fandrana. Le chigote résiste à la plupart des rayons. Ses cristaux qui recouvrent sa région dorsale sont des capteurs qui canalisent l'énergie et la retournent contre l'ennemi. Ok, faut que je fasse attention de tirer dessus. Cette créature est peu endurante, elle fait de l'hyperventilation dès qu'elle utilise son souffle glacé pour attaquer. Ok, fait quand on fait son souffle glacé, il faut... Exposant son appareil buccal. Ouh, fragile. Sa région abdominale, qui est excessivement accessible aux armes lourdes, consiste son second point faible. Sa technique offensive consiste à cracher des bouffées de gaz réfrigérantes en vue de paralyser l'adversaire. Ensuite, le chigote s'empresse de piétiner sa malheureuse victime pour la chute. Fait que c'est bon, faut faire attention. Quand elle nous crache dessus. Parce qu'elle hyperventile. Sa région buccale qu'il faut tirer dessus. Allô? Non, 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 non. C'est ça que je veux qu'il se passe. Il faut que je mette en petite boule puis qu'elle avale mes trucs. Non, c'est sûrement pas là-dedans. Et là, je ne fais pas les bonnes choses. Et je peux tirer des missiles dessus, au final. Mais de temps en temps, ça lui fait des dégâts, mais de temps en temps, ça lui fait pas de dégâts. Allô? Est-ce que tu rouvres la bouche à un moment donné? Je sais que je suis en réserve critique. Pas une bonne chose. Et là, il me reste vraiment pas beaucoup de vie. Puis je sais pas si lui, il lui reste vraiment beaucoup de vie.
On va espérer peut-être être chanceux. Plus de missiles. Oh oh. C'est chiant parce qu'à chaque fois que j'essaie de tirer, ça tire genre directement en haut. Et là, je suis comme un peu dans la merde, peu importe ce qui se passe. À moins que ça, c'est de la vie. Des missiles. Et j'ai 10 missiles, fait que sûrement que les missiles étaient vraiment très utiles. J'essaie de s'organiser. Dernière sauvegarde! Oh, dis-moi pas que ma dernière sauvegarde, c'est genre le 8 ans. Non, t'es pas sérieux. Est-ce que j'ai le double saut au moins? J'ai même pas le double saut. Prise 2. Let's go, prise 2. Contre ce boss de merde. Le chi-got. On va aller juste le scanner, même si on n'a pas nécessairement besoin. Oh, oh, c'est pas ce que je voulais faire. Merci. Ok, quand on tire un petit peu sur le côté, je pense que ça le fait chier encore plus. Oh merde, il nous fonce dessus après. Wait a minute. Je suis vraiment mort comme ça tantôt. Ok. Ok. Non! La vie! Merde. Perdu la vie. Il me semble que tantôt ça allait vraiment mal. Puis là, ça s'est fait genre. Comme si de rien n'était. Ben chill, ben easy, pas de problème. Tout allait bien. Là, ça, c'est le rayon des ombres, c'est ça? Mais c'est les sticks. Ah! C'est pour ça qu'on peut pas les utiliser. Pour activer le rayon onde, cette arme me permet d'ouvrir les portes violettes. Écoute! Si le rayon à onde permet simplement d'ouvrir les portes violettes, ça vous tentait pas juste de me donner une clé pour ouvrir les portes violettes? Ça serait tellement plus simple. Données supplémentaires à télécharger, merci. Bon, ok. Chou. Rayon de puissance. Ouh. Puis ça. Ouh. Ok. Prêt à dire que dans le jeu, je dois sûrement garder plus souvent contrairement mon pistolet de puissance parce que ça a plus de puissance. Est-ce qu'on est tous d'accord avec cette affirmation? Je suis prêt à dire que oui. C'est tellement l'un des plus beaux Rayquaza en plus. Il est pas mal dans le top de ceux que je trouve le plus beau. Il y en a quand même qui restent quand même assez cool. Est-ce que ça, je peux les tuer maintenant? Ah ah! Bingo Django! Donc, il y a certains ennemis qu'il faut tuer avec ce genre de truc. Yep, moins puissant, mais il est téléguidé. Ah! Ok. Which is nice. Yveltal est assez nice aussi. Django? Ben oui, Django. Vous connaissez pas Django? Ok, mais je peux ouvrir au moins toutes les portes, c'est quand même assez nice. Je vais laisser aller. Je suis une marde! Salut Didier! Oh, le pire, c'est que t'aurais pu envoyer cette commande juste avant.
Juste avant, en plus, c'était vraiment le jeu de marde qu'on était rendu. Non, mais. Claque cette bouboule dans ma face. Ah oui, c'est parfait. Non, mais le pire, c'est juste avant. Ok, là, je vais pas oublier d'aller sauvegarder. Faut pas me faire avoir encore une fois à travers tout ça, puis de rager à moitié, de me faire avoir. Ça va, vous autres? Ben oui, ça va toujours bien ici. Écoute, on vient juste de battre un Shiigot. C'est vraiment nice quand même comme combat. Un Toad au secours. Ben non, c'est pas un Toad. Qu'est-ce que tu racontes? Genre, c'est pas des Toads ici. Si.